premier axe de réflexion les questions d'indisponibilité de logements et de bureaux pour les fonctionnaires sont sur la table. Parce que justement, l'équipement à ce niveau fait défaut. Au niveau social, des mouvements de revendication ont été enregistrés dans le littoral. Nous avons eu quelques soucis. Des personnels qui réclament ici et là leur salaire dans certaines structures et des grèves, n'est-ce pas, des médecins. Tout est presque revenu à l'ordre. Et sur le plan sécuritaire, la ville de Douala reste une préoccupation majeure. Il y a quelques mois, l'agitation au niveau des camps de petits bandits, mais qui a connu aussi une accalmie jusqu'ici. La collaboration des forces de l'ordre pour maintenir la paix est de mise. Nous pensons que nous avons à suivre certains chantiers. Notamment l'achèvement des travaux des pénétrantes est et ouest, tout comme la construction du pont sur le Vouri. Nous restons aussi préoccupés avec cet embouteillage infernal du pont sur le Vouri. Globalement, c'est une économie qui se porte relativement bien dans le littoral. Nous pouvons dire qu'elle a reçu les contre-coups de la situation internationale avec la baisse, n'est-ce pas, des coûts de pétrole. Nous avons eu quelques désagréments avec l'attitude des dockers, n'est-ce pas, qui à un certain moment n'ont pas pu soit rapidement charger certains bateaux ou les décharger, ce qui a créé un certain engorgement et même parfois un départ des bateaux dans une attitude un peu pas très intéressante. Donc heureusement pour nous, notre économie ne dépend pas que, n'est-ce pas, de l'activité pétrolière. Donc les activités agricoles, les activités commerciales et autres ont ainsi permis que nos populations n'aient pas ressenti à l'immédiat, n'est-ce pas, cette baisse, n'est-ce pas, de la production en matière économique. Les travaux de cette réunion de coordination s'achèvent ce mercredi. Très attendu, les recommandations qui seront faites par le gouverneur.